Très bien, très bonne. C'était au mois d'octobre, tout le monde a été très gentil, très sympa. C'était pendant au retour de leurs vacances, du coup on a eu quelques activités extra rugby, donc ça a permis de faire connaissance avec tout le monde, donc c'était très bien. Je pense pas qu'il y ait de joueurs en particulier, alors forcément plus le groupe des avants, donc après il y en a plusieurs comme Antoine Herbani, Denis Marchois, il y en a plein, Giovanni, mais tous ont été très 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 gentils. J'étais très content parce que je ne m'y attendais pas forcément, enfin pas aussitôt, donc très heureux. Voilà. Non, pas de pression particulière puisque c'était mon premier match, donc après je savais que j'avais rien à perdre, me concentrer sur moi-même et faire du meilleur possible. Mais j'ai pas eu forcément de sensation particulière parce qu'en fait je m'attendais pas à rentrer si tôt, c'était à la 30e minute et donc j'étais dans les gradins avec les autres joueurs et là il y a le prépa physique qui me fait un signe et je pensais qu'on devait repartir à l'échauffement et en fait on me dit non c'est bien toi, donc j'ai pas eu le temps en fait, j'ai juste mis le protège-dents et puis je suis parti sur le terrain et voilà, je me suis retrouvé à jouer comme ça. Ça allait très très vite, à Cardiff c'était sur synthétique, donc et c'était vraiment, ça allait surtout très vite. Je pensais que dans le défi physique, ça allait être plus là où ils allaient appuyer, et en fait c'est surtout qu'ils envoyaient beaucoup de jeux et ça allait très vite. Mais je suis rentré sur une touche, et après de suite il y a eu un mol porté, et du coup j'ai pu me mettre de suite un peu à appréhender les contacts, à plaquer, et donc une fois que j'ai fait tout ça, après j'étais dans le match et voilà, dans le bain. Ah ouais, vraiment, Cardiff, c'était, on avait pu visiter le stade le matin avant le match et donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Enfin, le stade il est en pleine ville, il y a tout le monde qui est autour et après il y a vraiment une sacrée ambiance. Quand je suis rentré au retour de la mi-temps, on entendait les spectateurs chanter, il y avait vraiment une certaine ferveur dans ce stade. Non, il n'y a pas eu forcément de changement. Alors à Cardiff j'étais remplaçant et à Calvisano titulaire, donc il y avait peut-être un peu plus de pression, forcément. Mais après, dans la préparation, dans la gestion, non, rien n'a changé.